Donc par là du coup ça veut dire pas d'ATH, le nombre de dégâts a été doublé. Il y a beaucoup là, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Donc voilà. Alors. Voilà. On est également du coup sur l'époque Battlefield 3 contre l'époque de Battlefield Bad Company 2. Il me semble. Alors, on va déjà aller déjà en hélico pour que vous vous rendiez compte. Déjà, voilà, bon, heureusement, on est autorisé à ouvrir ça. Mais on n'a pas accès au point. Donc, quand je dis pas la TH, c'est vraiment pas la TH. Ça veut dire qu'on. Sur le champ de bataille, je ne saurais même pas me rendre compte qui est allié de qui est ennemi. Ça veut dire qu'il faudra vraiment que je vise. Et vraiment que j'utilise vraiment la milliseconde que j'ai avec moi pour savoir si c'est un allié ou un ennemi. Vite. Ah voilà, bon. Accrochage avec l'ennemi, occupez-vous d'eux. Réagissez avant que ça devienne ingérable. Non, c'est déjà ingérable. Ah, donc pas de réticule. Donc ça veut dire qu'il faut que je vise avec on a pris le contrôle d'un objectif. Avec le viseur manuel. Ouais, c'est mieux ça. Bon, un allié, je pense, ouais, c'est un nuage 60. Donc, ça veut dire que même au niveau des véhicules, il faut que je fasse attention de savoir si c'est un allié ou un ennemi. Bon, ça, j'ai accès à ma map pour savoir ça. Bon, allié, là, on sait parce qu'il a une tenue. Une tenue bah, beige. Enfin, une tenue, voilà, camouflage aride. On a aussi. Mais c'est ça que les ennemis sont aussi en intelligence avancée. Donc, ça veut dire que vraiment. Il faudra vite que je me décide pour savoir. Bon, KB1, ça contrôlé. Bon, actuellement, on est encore en zone alliée. Relativement. Là, par contre, on va rentrer en zone. C'est exactement ce que disait le camarade. En zone dangereuse. Ok, c'est un allié. Nous devons sécuriser ces secteurs pour devancer les filles. Allez. Ok, allié à droite. Ouais. Ok. Alors ces deux logiquement c'est. On commence à s'en occuper, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. On peut pas non plus savoir il y a combien d'ennemis sur la zone, s'il y en a. Comme je l'ai dit, il n'y a pas la TH donc Ok, allié. Oh putain, ah, un ennemi voilà, bon, par exemple, deux ennemis. Là-bas c'est. Là-bas, ok. Merde, bah voilà. Ok, y a pas non plus de visée assistée, hein. Comme vous pouvez vous en douter. Ouais, ok. Il mène de pas beaucoup, mais il mène quand même. Allié ou ennemi, putain, je sais pas. Ok. J'aime pas quand les portes sont comme ça côté de moi. Ouais, j'aurais pu tirer dessus, hein. Alors, par exemple, là-bas, ennemi. Putain, je sais pas. Et vu qu'il n'y a pas la TH, je peux même pas savoir en fait si je tire sur un ennemi ou un allié en fait. Enfin, non, si j'ai tué un ennemi ou un allié. Ah bon, un ennemi. Parce qu'il avait un béret rouge, il m'a tiré dessus. Et je sais pas non plus j'ai combien de vie. Faut que je me fie à. Ok, ennemi. Voilà. Bon, on n'est pas dans les autres modes de jeu où tu peux enchaîner 3 kills d'un coup. Et avoir 90 points de vie à la fin. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la vraie guerre. Bon, il n'y a pas l'horreur de la guerre dans le jeu, hein. Même le stress lié à ça, mais.
se rapproche. Enfin, on essaye. Allié. Bon, je dis allié comme ça, hein, je veux pas le dire tout le temps, mais c'est juste pour que je réussisse à me rendre compte. Ok. Ennemi. Ok. Ennemi. Ah. Je sais pas non plus qui m'a tué. Voilà. Donc, c'est un que les deux devant. C'est un agneau ou un ennemi? Putain, c'est un agneau, putain. Je crois qu'on a évité une, un tir allié. Merde! Ah bah voilà, un tir allié. Voilà, bon bah c'est... voilà. Ça devait arriver. On a le contrôle d'un objectif. Putain, je suis dégoûté par faire régner. Ça, je peux vous le dire, je vais l'avoir jusqu'à la fin de la partie. Surtout si en plus on perd. Hein. Par contre, le bâtiment, par contre, il s'en prend pas la gueule. C'est un ennemi, ok. C'est un MI-24-Hind, c'est un hélico que je trouve... génial, dans le sens où je crois que c'est l'hélico qui est le plus en attaque que je connais. Non, 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 non. Putain. Ouais, je pensais qu'il me reste plus que 30 points de vie. Et je crois qu'on n'a pas de régénération de santé, donc ça veut dire qu'il faut que je demande des... du heal. J'ai besoin de soin. Oh putain. C'est un ennemi. Ouais. Ah bah voilà. Je vais essayer de trouver. De toute façon, il n'y a pas de. Putain. En fait, mon défibrillateur va me servir à rien du tout là. Non. Là, je peux pas prendre quelque chose là. Non, ok. Je vais garder mon fusil d'assaut donc. Non, pour l'instant, ça va. Non, pourquoi ça va pas? A deux, vite. Putain, je sais même pas si je suis en manuel ou en automatique. Enfin, en tir unique ou en tir rafale. Et vu qu'on n'a pas mis illimité, j'ai pas envie de le découvrir. C'est... oh putain, c'est un Nelioc. Ouais, non, parce que j'ai vu son casque trop tard. C'est un allié, c'est un LAV-25. Ouais. Putain, je peux pas le... ah non, c'est pas un LAV-25, c'est un LAV-AD, je crois. C'est un truc LAV-25, mais spécialement pour le truc anti-aérien. Quoi? Attends, t'es en train de me dire que c'était pas un... quoi? C'était pas un allié? Oui, c'est un 24 du coup c'est... attends, mais... t'es un allié ou un ennemi? T'es... t'es... je... c'est un ennemi! Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour détruire le problème, moi, c'est que... putain, c'est un ennemi par contre là. Oui, ennemi. Putain, toi, c'est moi qui l'ai. Ah non, Kena, il avait un lance-roquette. Putain, les deux ont le. Ok, allié. Parce que les deux ont le Nightbird. Enfin, ou le Little Bird, je sais plus comment il s'appelle. C'est en gros le bizarre dans GTA. Ouais. Je crois que les deux factions l'ont donc. Là, c'est. C'est un ennemi. C'est un Apache, donc allié. Ouais, c'est important aussi de reconnaître les véhicules dans le jeu. Tu peux plus facilement te rendre compte si c'est un allié ou un ennemi. L'ennemi a saisi le secteur, bravo.
Putain, fais chier. Sérieusement. Tue-le, tue-le, tue-le. Putain, vas-y. Ouais, attends, donc j'ai dû halluciner. J'ai cru qu'il y avait un ennemi avec un lance-raquette. Ok. Eh, s'il vous plaît, quelqu'un n'aura pas de soins, s'il vous plaît. Quelqu'un peut venir me chercher, à vous. Non, t'es pas médecin, toi, t'es pas médecin. Si, t'es un médecin. Oh putain. Bah non, mais c'est pas ça que je vais demander, c'est des soins que je vais demander. Il nous faut un médecin ici. C'est gentil, y'a pas de soucis. Mais... C'est bon. Oh putain. Ok, allez. Allez, allez, ok. C'est une zone à éviter. En haut, c'est un UH-60. Ah, c'était un allié. Enfin, c'était un ennemi. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah go. Ok, on est 3 sur ces deux, donc logiquement... Ok, allez. Putain, c'est stressant, écoute, parce que tu dis que au premier tir que tu te reçois, tu peux mourir. Enfin, au premier tir... Bon, en général, c'est au deuxième, troisième tir, mais... ça veut dire qu'en gros, si tu te prends une rafale, t'es mort, quoi. On va vers où là? Putain, je... Putain, va... Ok, ils ont réussi à passer. J'espère que j'aurai la même chance qu'eux. Putain, ils sont trop loin. Je sens que je me perds, je fais deux couverts, donc c'est exactement ce qu'il faut pas faire dans le jeu là. Ok, c'est un ennemi au-dessus. Putain, ils sont où? Oh, easy. Forcément réanimation 0. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors à tous, à plus du coup pour le prochain épisode qui sera du coup sur ce mode là. Enfin, pas forcément l'épisode de demain parce que là je les tourne tous à la suite, mais il y en aura d'autres de ce mode là. Du coup, il y en a encore au moins 3-4. Je verrai si je tourne une autre. Enfin, je verrai si je fais une autre fournée entre guillemets d'épisodes comme ça. A plus.